travers GreedFall, on a réellement voulu retourner aux gènes, aux racines du RPG, avec notamment vraiment une insistance sur l'exploration d'un monde qu'on a complètement original, qu'on a conçu pour GreedFall, qui s'inspire du XVIIe siècle, mais fantastique, et donc avec une part de magie à découvrir. Le personnage du joueur reçoit une mission officielle qui est de partir avec notre cousin pour donc une nouvelle île qui a été découverte il y a peu. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles and we might find a cure. La mère du joueur est en train de mourir de la malicorne. Trouver un remède à cette maladie qui est en train de ravager complètement l'ancien continent est aussi quelque chose qui va être vraiment un fil conducteur et le but principal en réalité du joueur. L'île est extrêmement riche en faune, en flore inconnue. C'est vraiment l'espoir d'un nouveau monde qui peut-être pourra sauver l'ancien monde. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. Il est toujours bien de s'appuyer sur des références solides. En l'occurrence, c'était avec le 17e, qui était une époque qui n'était pas forcément représentée dans le jeu vidéo, qui regroupe tous les arts, aussi bien la peinture, la musique, la sculpture, avec l'architecture, le stylisme et tout ça. C'est vraiment des choses sur lesquelles on puise, une fois qu'on s'en est inspiré, on fait toute une série de recherches avec nos différents artistes. On n'avait absolument pas envie d'être strictement historique. Ça devait rester être une inspiration. On avait effectivement envie beaucoup plus d'inviter au rêve, à l'exploration, à la découverte d'un univers nouveau. La fantaisie aussi a cet intérêt qu'il me semble relativement nécessaire dans un jeu de rôle, d'amener de la bizarrerie, de la magie. L'île elle-même, en fait, est un personnage. On ne l'a pas conçu en tant qu'environnement comme ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a souhaité apporter une variété, une richesse. Meneda, Meneda, Meneda. Ces questions m'amenaient, moi, à réfléchir à effectivement l'histoire de cet endroit en particulier, de la géographie de l'île notamment, de l'histoire des différentes tribus et clans qui sont présents sur cette île, l'histoire du coup aussi des créatures. C'est quelque chose qu'on a eu assez tôt envie d'ajouter dans l'univers, c'est que les créatures les plus fantastiques aient une histoire, qu'elles soient pas là de manière gratuite. Donc on a effectivement pensé à leur origine, ce qui les avait amenées là, pourquoi elles étaient comme ça. Les récits d'explorateurs, ou en tout cas de gens qui les accompagnaient, de naturalistes ou de savants de l'époque qui souvent accompagnaient les explorateurs, on est assez surpris par les dessins ou les descriptions qu'ils font des environnements qu'ils venaient de découvrir, parce qu'ils sont finalement éminemment teintés de merveilleux. Et c'est quelque chose aussi effectivement qu'on a voulu retrouver dans l'expérience de jeu. GreedFall se veut permettre aux joueurs le fait de pouvoir vraiment expérimenter, vivre le même rêve qui guidait les explorateurs à l'époque. C'est justement ça, faire en sorte qu'un joueur un peu curieux puisse vraiment découvrir l'histoire de chaque village, de chaque famille, de chaque créature au cours de son périple.